Le président de la République a chaussé ses crampons le temps d'une rencontre sportive. Ce jeudi 14 octobre, Emmanuel Macron s'est déplacé à Poissy pour jouer un match du Variété Club de France au stade Léo Lagrange. Le numéro 3 a joué milieu de terrain défensif aux côtés de Rudy Garcia. Je vous rappelle qu'en 2017, le président Macron est venu avec son équipe de sécurité faire un match contre mon équipe de l'OM et ça s'était bien passé. Le président est quelqu'un qui lâche pas l'affaire sur le terrain, comme on dit. Il avait l'air très content de jouer avec nous, donc quand tout le monde trouve son plaisir dans un match, ça fait une bonne équipe. C'est une porte de sortie par rapport à son métier entre guillemets de président de la République. C'est la première fois bien sûr qu'un président de la République en activité fait un match de football. Sa part d'ailleurs, de mettre le maillot, c'est pas commun. Et c'est curieux de le voir là. Ça reste le président de la République, il y a du respect quand même pour la fonction. Et pour nous, je trouve que c'est une belle fête. Il y a des grands noms et l'important c'est de les avoir. Je pense que c'est formidable quoi. Et parmi les grands noms participant à la rencontre, Sonny Anderson, Laure Boulot, Christian Carambeu ou encore Alain Giresse. Un match, deux équipes, les joueurs du Variété Club de France ont fait face aux soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Qui étaient heureux de jouer, de faire ce match, et puis c'est une façon de les récompenser de tout le travail qu'ils ont pu accomplir pendant durant cette épidémie, je pense que ça continue aussi également. Oui, voilà, donc c'était une belle après-midi. Près de 1500 spectateurs étaient présents pour encourager les deux équipes. Ils se respectent, et ça joue bien en plus. C'est dans une bonne ambiance, avec des petits retraités qui ont des bons petits restes. Comme il dit, il y a une bonne ambiance, et franchement, il faut que ça continue comme ça. Ils se débrouillent tous. Après, bon, le président, c'est la première fois que je le vois jouer aussi. C'était marrant, c'est plutôt marrant à le voir, et puis bon, ça va, ça se débrouille. Ils ont boudé de bons restes. Victoire 6-1 pour le Variété Club de France. Un match caritatif joué au profit de la Fondation des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, présente lors de l'événement. Un chèque de 50 000 euros sera remis à l'hôpital de la Mère et l'Enfant de Kaboul.